Dans la suite, Shana Mishnah Brura, ce siman semecha, la fin est arrivée. Au Seif, va avoir marqué Tzarich le Ha'arich Behet Shel Ehad, Kede Shebich Kajbaruch Beshem Vares, Shelaze Romez à Hatotarot, Shebem Tzagagahet. Viarich Bedalet Shel Ehad, Shiaou Shiachel Shaket Zubaruch Yahid Be'olam, Bushel Barba Rochot Aolam. Velo Yarich Yotem Keshiaou Zé. Vesh Noagim Latot, Arosh Kifi, Ama Hashaba, Ma'la Umata, Ularba Rochot. C'est-à-dire il faut prolonger la lecture du het du mot ehad, afin de faire régner Akadosh Baruch Hu sur les cieux et la terre. Je disais Romez Ahatotarot, c'est ça la sorte de couronne qui est au milieu donc du sommet du. De la lettre Het. Hier, j'ai plein d'amis à moi, sauf un, plus tard, pour lui demander. A priori, lui, il n'a pas encore trouvé, mais il va regarder encore parce que ça l'intéresse. Il n'y a pas de trace d'une écriture différente du Het, du Kriyat Shema, des autres Het. Il faudra prolonger la lecture du Dalet, du Moéhat. D'une longueur chez Hershov, Shakad Jvarukhu Yahid Be'olamura. Suffisamment longue pour pouvoir penser que Jvarukhu est unique dans son monde. Ou Moshel Be'arba Rochotaola et qu'il règne sur les quatre points cardinaux du monde. Velo Yahrich Yotel Mkeshiaouze, mais il ne faudra pas allonger plus que cette mesure-là. Veyesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude. Le Hatot Arosh, Kefiam Hashava. De pencher leur tête selon ce que leur concentration leur aurait imposé, c'est-à-dire ma'ala ou mata ou l'arba al-hot, quand ils font le het c'est ma'ala ou mata, et quand ils font le dalet c'est l'arba al-hot, les quatre points cardinaux. Voyons sur cette partie les paroles du Mishnah Moura. Et dans Mishnah Moura, se'ivav c'est katanut het, le'arich behet, ou bahet. Katana Maganavam a expliqué. A écrit le schéma Migdal Haus au nom du Migdal Haus. Chez Yarich Bahet, que Shiaur Shelish, ou Vadalet, que Shiaur Shneshlishim, que la valeur et la mesure relative entre le Het et le Dalet, c'est que si le Dalet, pardon, si le Het, on le prolonge d'un tiers, le Dalet, on le prolonge de deux tiers. Autrement dit, le Dalet est deux fois plus long que le Het n'est prononcé. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas du tout prolonger le het, mais d'avoir l'intention complète dans le dalet. Autrement dit, quand on parle du dalet, on parle de Shemaim Varetz al Baruchot, Ren Katabagro, et c'est comme ça que le Gaon de Vilna a écrit Bevehoro dans son commentaire sur le Shulchan Aruch. L'habitude des Sfaradim, c'est de faire comme le Shulchan Aruch. C'est-à-dire de décomposer tes kavanot dans le het et dans le dalet, c'est-à-dire de dire le het un peu plus long que d'habitude. Il est marqué dans le Seif Ktan ou Tet, dans le Mishnah Berurah, Velo Yarich Yoter. Il ne faudra pas rallonger plus que ça. Aïm Pli Megadim, Mishnah Pli Hadash. Il faudra regarder dans les paroles du Pli Megadim au nom du Pli Hadash. Le Maïsé, le Pli Megadim, au nom du Pli Hadash, il dit que d'après la Gemara, il semblerait que ce serait Mouta, ce serait permis de continuer. J'ai vu que c'est marqué aussi dans Kafahim comme ça. Pourquoi? Parce que dans le moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, puisqu'on a vu dans Beth Yosef un peu tout, il est marqué que le Rav, quand il a vu que le Maasé, il avait fait ce qu'il avait fait, il a dit plus que tel et tel Kavana, l'autre Tzrichat, tu n'as pas besoin. Le mot l'autre Tzrichat, ça veut dire que tu n'as pas besoin, ça veut pas dire c'est interdit. Il est marqué c'est Asur. De là, après, Megadim, on appelait Hadash, son Medeikim dans la Gemara, il déduit de la Gemara qu'il n'y a pas d'interdit, mais il n'y a pas d'obligation. Le Maasé, dans Shulchan Aruch, il a interprété Kanir'e différemment, pour dire qu'il y aurait même Kanir'e, un interdit à prolonger plus longtemps. Je ne peux pas vous expliquer plus, en tout cas voilà, le Mishnah Berurah nous dit que certaines permissions émettent des réserves sur le psaque du Shulchan Aruch. Seif Ketan Kaf, Amahashava, ça voulait dire quoi? Ça se rapporte sur quel mot? Il est démarqué qu'il y en a qui bougent la tête, qui fait Amahashava, selon la pensée qu'on a en disant « Oba et les quatre Rochot ». Alors, il faut savoir que la question qui avait été posée
qui fait qu'on ne va pas quand même arriver à faire Chas v'Shalom le signe d'une croix, quelque chose qui n'est pas Chas v'Shalom, qui est totalement étranger et proscrit par la Torah. Alors justement, le Mishnah Berurah parle de ça. Falgar d'Amrinan, bien que nous disions à Koret Shema Alekros Be'ena, que normalement, quand on fait Koret Shema, on ne doit pas faire de signe ni avec ses yeux, ni avec sa bouche, ni avec ses rien. Alors il n'y a pas de problème ici, pourquoi? Vous vous rappelez, De'ata Makritza Balmiza, Aletzolek Davarahel, Metlemakarena. Là-bas, quand on interdit dans la Gemara de Yuma, c'est pourquoi? Parce que là-bas, c'est que on avait peur qu'à cause de cela, il se détourne vers autre chose et annule sa concentration. Avalacha, mais ici, Al-Miza, il est Tzolech Kavana. L'allusion qu'il fait, c'est-à-dire le geste qu'il fait, c'est justement pour les besoins de la concentration. Point. Donc, le premier sujet, c'est d'expliquer le Psek Shouchan Aruch, mais ce qu'il a dit, c'était marqué déjà dans le Beth Yosef, c'est que ne viennons pas ici se poser la question, mais voilà que c'est quelque chose qui va à l'encontre de la concentration. Non, car ici, c'est pour les besoins même de la concentration. Deuxième point, Ve'atayat Tzrechaliyot, et le fait de se pencher sa tête, doit être dans le sens suivant Mizrah, Tzafon, Ma'arav, Darum. Est, Nord, ça veut dire ici, droite, gauche, Ma'arav, pardon, droite, haut, Ma'arav, gauche, Darum, en bas. Ve'loyat Tzrech, Mizrah, Ma'arav, Tzafon, Darum, il ne faudra pas faire droite, gauche, au bas, d'avoir Chas v'Shalom Shetiva'ele. Parce que sinon, c'est comme si Chas v'Shalom il faisait Shetiva'ele, ça veut dire un signe de croix, qui signifie des choses qui ne sont pas épousées par la Torah. Alors, le Ma'aseh, il faut savoir que dans Kafhaïm, il avait encore d'autres opinions, très complexes, qu'on a eu du mal même à configurer, donc on va vous faire la tête et tout, parce qu'on va vous faire peur si on fait tout ce qu'on a fait. Mais mon Dieu, Harry, il y aurait à faire comme les Nianouin du Lulav, c'est-à-dire les agitements du bouquet des quatre espèces, qui serait donc de faire Darom Tsafor, Mizrah, Ma'ala Mata Ma'arav, pour ceux qui ont compris, qui sont hébraïsants. On ne va pas le faire parce qu'on a eu du mal à le faire. Et le Kafhaïm termine en disant Verbohaifha. Et celui qui veut, il peut choisir comme il veut. Donc, même si l'épisode de Yosef dit que Bémet, il y a plein d'endroits où on a vu que les gens n'ont pas l'habitude de le faire. Et donc, ça veut dire que, étant donné qu'aujourd'hui les gens ne le font pas, ils n'ont pas la même obligation de le faire. Étant donné que dans Shahanach, il y a un Shahanach qui est et que les Minéim sont dans Shahanach, c'est pas ça. Et que les Poskim, comme Shnebroué, Hadash et autres, le rapporte, et que dans bon nombre de synagogues ashkenaziot, on peut voir que les gens le font. Donc le Ma'aseh, ça serait bien de le faire, donc, au moins simplement, comme c'est marqué dans le Mishnah Berurah, hein, c'est-à-dire de commencer par Mizrah, ensuite Ma'arav, pardon, Mizrah, Tsafon, Mizrah, Tsafon, Ma'arav, Darum. C'est-à-dire de faire un cercle pour avoir l'intention donc de prendre sur soi le jour de la royauté divine. Et marqué donc Shchan Aruch Seif Siman Seif Zayin. Yadgish Bedalet Shloikehai Kalesh. Il faudra appuyer le dalet pour qu'il ne soit pas comme le resh. Il est marqué dans le Mishnah Berurah Seif Zayin Seif Ketan Kafal. Bedalet Velo Yadgish Yoter Midai. Il ne faudra pas manger trop. Pour ne pas qu'on ait l'impression que le dalet soit ponctué d'une voyelle comme un shva ou comme un tseré. Et donc ça va se ehadde. Et là, kavana shiyetaimena bape yafe. Mais il faudra donc lui donner l'appuyer comme il faut. Bape yafe, ça veut dire très clairement. Alors, le ma'aseh, il est ramené ici. Par ceux qui le recherchent, en dehors des grands amis de Haram, sont aussi des spécialistes de tout ce qui est grammaire. Il est marqué ici, donc, dans les haralot du Ishmatzliya, Tzadik l'idmod le vater dalet et le fouya, chez Krobal, il vater azay, le mifta azay. Il faut apprendre à prononcer le dalet quand il n'est pas d'agouche, parce qu'on sait que les otiot, les lettres bagat kafat, qui forment les mots bagat kafat, c'est-à-dire bet gimel dalet, kaf pe taf,
sont des lettres qui peuvent être écrites dégouchotes avec un point ou les fouillottes sans point. Et leur prononciation n'est pas la même, c'est comme si c'était deux lettres différentes, ou presque. Alors il faut apprendre à prononcer le dalet qui est à la fouille, chez Kloval et Mifta Zayn, qui ressemble à la prononciation du Zayn. Parce que sinon, on ne peut pas le prononcer longuement. Et donc, c'est comme ça que c'est rendu au nom du Benishahal. Donc on a appelé des spécialistes parce qu'on voulait savoir, mais les Maïsis, même les spécialistes disent qu'il n'y a peut-être que les Thémanis, donc les Juifs du Yémen, que les Maïsis savent dire une lettre qui ressemble au Dalet, qui n'est pas de Dalet, qui a la couleur du Dalet, la forme du Dalet, mais qui n'est pas de Dalet. Donc, les Maïsis, pour l'étude du Shahanouk et Mishnawa sur Seraif Zayn, donc jusqu'à la fin de Seraif Zayn, on va dire Baruch Adonai Le'aola Amen Ve. Pardon, nous allons juste rajouter le Het, et marquer dans Seraif Het, Lo yahtof bahet velo yaarich ba'alef. Il faudra ni avaler le het, ni rallonger trop le alef. Je vous rappelle qu'on avait dit que la chavod de ma'aseh, il fallait aussi avoir une intention sur le alef. Le alef, c'est l'unicité. Le het, c'est les sept cieux et la terre. Le dalet, c'est l'arba'al-hot, pardon, excusez-moi. Et quand on a fini le mouhad, c'est, comme on avait vu écrit, c'est que de la même manière qu'aujourd'hui, pour l'instant, il est Hachem et Loken, il est uniquement notre Dieu à nous, dans la mesure où nous sommes les seuls à le reconnaître à sa juste mesure, alors Hachem et Had, à la fin des temps, eh bien, le monde entier reconnaîtra Be'est Hachem pour son unicité. Donc même si elle est déjà son unicité, mais elle ne sera pas, elle n'est pas encore scandée comme elle sera à la fin, c'est un son qu'il faut avoir quand on dit la fin du mot Ehad. On a donc bel et bien terminé jusqu'au à la fin du Hanoch et Mishnah Brora sur le Seif Het inclus, Baruch Adonai Li'olam, Amen, Ve'amen.